TVB est une entreprise située à Bastogne, dans la zoning de Bastogne, qui s'occupe de la transformation du bois et principalement des ouvrages pour le secteur public. Eh bien, la plaine de Cibray a été élaborée pour pouvoir utiliser cette plaine de Spaur un peu plus souvent, car en Belgique, ben, je ne vais pas vous faire un dessin, il pleut quand même assez souvent. Et la toiture permet de doubler pratiquement, voire de tripler la capacité de jeu. L'historique, la commune nous a demandé le projet et nous avons conçu ici en interne la structure en forme arrondie, qui est un peu une forme spéciale, mais qui en plus, quand on voit les charpentes, ce sont des charpentes croisées qui permettent un contreventement. Donc une stabilité de la couverture par l'intermédiaire des charpentes uniquement. Donc ça nous permet de faire une charpente très légère. Le bois permet une légèreté au niveau des charpentes pour une portée relativement importante. À l'origine, c'est un bois régional et les lamellais ont été réalisés à Marche par l'entreprise Lamcol. Donc, ce sont des charpentes en bois lamellé collé, en épicéa, et qui sont traitées par l'azur, tout simplement. Mais du fait que le bois est couvert ici, ne nécessite pas un entretien vraiment particulier, mais il est clair que les UBV vont faire leur action et le bois va devenir un peu gris. Mais comme il est quand même couvert, ça ne pose pas de problème important. Et toutes les parties où il y a des risques, notamment au niveau des pieds, elles ont été traitées via des pièces métalliques qui sont en raccord avec le béton. Dans ce cas-ci, c'est assez particulier, peut-être c'est le coût, ce qui n'est pas toujours le cas au niveau d'autres charpentes, d'autres types de charpentes, mais ici on est dans un système d'arc, et là le bois est relativement intéressant. L'origine de TVB, c'est justement les plaines de Geux, et nous avons réalisé deux chantiers relativement importants dans la région, qui sont le parc Chlorophylle et la plaine de Geux d'Utopia à Oufalize, hein, qui sont des chantiers quand même de plus de 500 000 euros, quoi. Et nous avons réalisé tous les éléments, tant ludiques que didactiques. Pour la station d'essence Cueil, ici à Bastogne, le challenge était d'apporter de la légèreté aussi au niveau de la charpente, de manière à la rendre esthétique, vu sa forme. Donc nous sommes tournés également vers du lamellé, là. En collaboration avec l'architecte, nous avons étudié tous les plans de détail. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que techniquement, c'est quand même un ouvrage relativement difficile. Et nous avons mis au point des éléments permettant certains réglages. Parce qu'avec des dimensions de cette importance, il faut quand même un minimum de réglages. Mais l'usinage en commande numérique nous a permis de travailler même avec des goujons. Donc des goujons sont des assemblages sans jeu. Pour TVB, l'usage de la commande numérique nous permet de réaliser toutes les découpes de panneaux, mais également de faire des gravures, parce que nous développons pas mal de chantiers en scénographie et en didactique. Nous sommes en train de mettre au point des jeux qui sont à la fois ludiques et didactiques, pour équiper les parcs naturels, les projets LIFE, les zones humides, Natura 2000 et compagnie. Il y a un gros développement à faire dans ce secteur. Et pour la plupart de nos constructions, nous les préfabriquons en atelier, ce qui permet un usinage plus précis, bien sûr, que sur chantier, et un gain de temps pour éviter les intempéries, notamment. Parce que les rendements sur un chantier par temps de pluie bon, sont quand même beaucoup plus faibles. Donc TVB s'est intéressé aux maisons structure bois voilà 15 ans. Notre première construction structure bois date d'il y a 15 ans. Mais depuis 15 ans, les choses ont beaucoup évolué, notamment au niveau des performances énergétiques, au niveau de l'étanchéité à l'air, au niveau de la ventilation, hein, parce qu'on fait des maisons qui sont de plus en plus étanche, donc il faut faire très attention aux problèmes de ventilation.
La maison Ossature-Bois, ici en province de Luxembourg en tout cas, est un secteur d'avenir. On est passé en quelques années de 3% à 15% actuellement. Évidemment, le nombre de constructeurs a également augmenté, évidemment, ce serait un peu trop facile. Le futur de TVB, c'est le développement dans le cadre des équipements de scénographie. Donc, des jeux qui sont à la fois ludiques et didactiques. Ça, c'est un gros développement. Dans les maisons bois, évidemment, nous essayons en tout cas de faire des choses un peu spéciales, hein, tout comme lors de construction de ponts, de passerelles, de tours que nous avons déjà pu réaliser. Bon, ce sont toujours des chantiers très spéciaux.